Yo, salutations à toi et sois le bienvenu sur la suite de notre découverte du MMORPG PC et console Perfect New World. Le jeu n'est pas encore disponible, il est actuellement en phase de test, sur invitation uniquement, et non, il n'y a pas encore de date de sortie. Je vous ai sorti une première vidéo du jeu il y a une semaine environ, vous montrant la phase de création de personnages ainsi que les différentes classes jouables du jeu. Une deuxième... Oh, bah qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un personnage qui tombe du ciel, d'accord. Une deuxième vidéo sortie ce 14 novembre avec du gameplay. C'était ma première session de jeu puisque les serveurs, eux, ont ouvert seulement ce 14 novembre. Et là, nous sommes sur la troisième vidéo, mais la seconde réelle concernant la découverte du jeu. J'ai un tout petit peu avancé, pas de beaucoup, vraiment très peu. On était vraiment pas loin du monde ouvert du jeu. Ça y est, je ne suis plus dans la zone scénarisée du début. Je suis dans le monde ouvert avec mon lancier. Je vous montre quelques compétences. Donc j'ai des combos avec le clic gauche, j'ai aussi une belle petite compétence comme ceci, j'ai celle-là que j'aime bien, attendez je me replace là, hop celle-là je l'adore, j'ai également cette compétence-là, je peux également faire ceci, je peux faire des attaques dans le ciel, enfin dans le ciel, dans les airs, j'ai ça, hop, bim, et genre je crois pas que je puisse l'invoquer, non je peux pas l'invoquer, on peut aussi prendre l'esprit de certains animaux et ça nous fait une petite compétence. Bref, je dois activer ici, j'ai parlé au PNJ qui est là. Oh, d'ailleurs, je suis venu ici en volant, hein. Il y avait une espèce de monture volante qui m'a agrippé et qui m'a transporté jusqu'ici. Bon. Ah bah, je pensais que en fait, fallait désactiver le champ, mais en fait, pas du tout. Très bien. Allez, on va activer. Je sais pas à quoi m'attendre. Ok. C'était ma compétence d'invocation de l'animal que j'avais récupéré. Très joli ça. Those who have been blessed by the radiance. This is the entrance to Mechanopolis, wherein lies the ancient malice of the prime. If the ancient malice ever becomes unshackled, the Wraith King will arise. Sky tear shall fall. The veins shall wither, and calamity shall flourish. In the underground veins, the city shall stand erect. Remember that this city must not come to be. Exert all your efforts to preserve peace in this realm. Now, go. My name is Peng Sheng. I am the Beast of Thunder's ancestor. Ok, bah nous découvrons une nouvelle zone ensemble. Alors, je sais pas ce que je dois faire. D'accord, je dois trouver une voie pour aller à l'extérieur. Dis donc, c'était très bizarre ce truc volant là. Attendez, on va regarder ça de plus près. Vas-y, rapproche-toi. Non, il se rapproche pas. Ok. Bon, eh bah, je sais pas moi comment je fais pour partir d'ici. Bon, bah apparemment, je dois sauter. Il y a des dégâts de chute. Non, pas dans cette zone. Alors voilà. Vite. Alors moi ça marche pas hein, mon shift sprint. Hein. Moi je sais pas quoi faire. Moi j'ai beau appuyer sur shift et avancer, ça marche pas. Donc je suis un petit peu dépité pour ça. Il est trop stylé le bestiau en pierre. Ok. D'accord. C'est moi quand je fais shift et sprint, bah ça fait ça en fait, voilà. Du coup c'est pas très pratique. Bon bah c'est parti pour remettre les raccourcis par défaut, hein, pour la touche avancée, ne serait-ce que celle-là. Ok. Maintenant on va voir si ça marche. Voilà, là ça marche du coup. Mais c'est pas pratique, enfin, pas pour moi.
Je suppose qu'il faut aller tout droit. Ok, on va attendre ça. On va attendre que le truc se referme. Avant de prendre. Vas-y. Iou. Ok. Allez, on teste. Ah. J'ai cru que j'allais tomber. Ça va trop vite. C'est bon? Ok, ça a l'air bon. Ensuite, on va aller là. On n'a pas le choix. Alors, les oranges, ça, je voulais pas montrer dans le tuto, mais c'est fait pour sauter. Est-ce que c'est fait pour sauter là-dedans? Apparemment, non. Ah! C'est bien pour sauter. C'est pour sauter où alors? Là-bas? Ok. Est-ce qu'avec le sprint, je peux courir plus vite et sauter plus loin? Ah oui! Super! Ok. Faut que je m'arrête avant. Alors. Wouhou! Ça va trop vite. Ok, on fait la suite. Bon là, il n'y a pas trop de choix, hein, c'est par là. Putain. Il y a un trou. Et dash up. Il tombe dedans. Ok, c'est bon. Mais... Okay. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Et... Non mais là, oh, hein, et route, j'ai envie de dire. Bon. Non, c'est long. Eh, ta zone où on va, l'intérêt à être incroyable. Hein. Alors la vue. Bon, du coup, on voit plus rien. Ok, allez, on rebooste. Et je pense qu'on arrive à destination. Alors avant d'activer, je vais remettre mes raccourcis, on sait jamais. Allez, on active. Ceci est un boss, moi j'ai besoin d'avoir mes touches pour bouger correctement. Y a pas de boss. Ok, on a une success challenge success. Bah écoute, c'est cool. Hein. On s'est bien viandé plusieurs fois. Mais c'était sympa. Fishing Village. Et ça, c'est mon petit corgi. Mon petit corgi, là, il est tout mignon. C'est mon petit chien. C'est vrai en plus, hein, c'est pas parce qu'il est dans le village, c'est à moi. Voilà, il me suit. Ok. Go to South Post Station. Ok. Il y a un coffre ici, il y a une icône de coffre. Oh, il y a un treasure chest. On peut trouver des coffres dans le monde. Bah oui, je veux l'ouvrir. Oh bah, il y en a de la merde. Alors, le jeu est joli, mais il est pas ouf. Hein. Quand tu penses qu'il te demande 32 gigas de RAM. Bon, bah, tu dis, il y a un souci quelque part. Hein. Ah, faut arrêter, par contre, avec c'est un jeu mobile. 32 gigas de RAM. T'as déjà vu des jeux mobiles qui te demandent 32 gigas de RAM, toi, sur PC? Moi, non. Et d'ailleurs, il n'est pas prévu sur mobile, il est prévu sur console et PC. Eh ben on va ouvrir... Je peux pas l'ouvrir? Ah ok, faut peut-être le casser en fait, tout simplement. Ok. Bon, le paysage ici est sympathique. Mais j'ai pas le temps. Ah ben ok, mets les potions de soins et mets les potions de... Je sais pas ce que c'est. C'est bon? Allez. Il est mort ou il est pas mort? Putain, il était long à crever. Enfin, à montrer qu'il était mort. Allez. Alors, plus j'avance dans le jeu, et on n'a pas avancé beaucoup, et là où je trouvais le gameplay super sympa au début, bah, me plaît déjà moins. Je sais pas pourquoi. Je sais pas vous dire la raison. Oups.
Après, je sais qu'ils ont fait une première phase de test. Moi, je n'y avais pas accès. C'était sous NDA. Le studio a communiqué ensuite par la suite pour dire que bah, ils n'étaient pas satisfaits des résultats. Donc, ils ont changé des choses. Donc, je ne sais pas si ceux qui ont participé à la première, vous êtes toujours sous NDA ou pas. Si vous pouvez dire ce qu'ils ont amélioré ou pas, ça m'intéresserait. Press F to use Power of Spirit Beast. Ok. F. Ah là là, j'ai tout purifié, dis donc. Incroyable. Ah. Il est pas petit, lui. Bon bah elle, au revoir. Oula. Il est en train de nous enfermer dans la zone. Alors, tab pour le lock. Voilà. Je crois que je l'ai pas lock en fait. Je l'ai lock ou pas? Voilà, là je l'ai lock. Bon, est-ce que je peux invoquer? Non, je peux pas encore. Si, je peux invoquer mon dragon, là. Mon truc. Voilà. Oula. Ce qui est, elle? On va se battre à deux. Ah, fais-moi le malin, monsieur le boss, là. Aïe. Aïe. Je plaisantais. C'est de la fausse. Tiens, prends mon dragon. Gameplay sur 20. Ça a fait mal aux doigts. Tiens, prends mon dragon un petit peu. Voilà. Ah mais j'ai bientôt plus de vie moi. Voilà. C'est pas le moment de me mettre un... Ah. Bah l'animation c'est même pas faite. Il y a un gros manque de polish hein. Bon je sais que le jeu est pas fini, il est toujours en développement. Mais là on est sur les premiers débuts, les effets sonores sont pas top. Il y a des bugs. Ah ça doit être ça le corps là, ouais ok. On va le purifier. Et bim, on a tout nettoyé. Je passe. Yup. Bon, c'est mieux quand il fait beau déjà. Ok, on a. Bon, moi, ça s'est bugué. Voilà, moi, ça, je vois pas. Oula! C'est gros, monsieur. Il y a du monde ici. Incroyable. Donc, ici, nous avons l'écran des montures. Donc, là, j'ai une monture de base. Mais on peut avoir. Un raptor qui est plutôt sympa. Vous avez la vitesse ici, 10 mètres par seconde. Comme celle que j'ai moi. Il y a celle-ci. Celle-là, elle est trop cute. Je kiffe. Pour l'instant, elles sont toutes à 10 mètres seconde. Donc il n'y a pas de différence. Oh, joli toi. Là aussi, on est à 10 mètres. 10 mètres aussi. Bon, ça, j'aime pas.
Oh, Pépette avec sa petite fleur. Oh, Princesse Minou. Ouais. Griffon, classique. Hein. Il y a toujours des griffons partout. Oh, monture de la Horde. Bah écoute, 10 mètres secondes également. Il y a ici des ailes. Donc il n'y en a pas énormément, donc ça, ça va vite. Sympa en noir. Et les petits familiers. Donc on a le Corgi ici que j'ai eu gratos. Oh, t'es bébelle, toi. Oh, ils sont tous. Les petits familiers sont trop cute. Donc eux, par contre, ils ont des stats qui changent. Des bonus qui changent. Oh, il est joli, lui. Bon, il y en a beaucoup. Oh, quoique pas tant que ça. Oh, choupette. Un gros minou avec son poisson. Lol, c'est super corgi, ça. Ça, ça fait peur. Et ça, c'est le même que tout à l'heure. Oh, il est mignon. Ok. Oh, un petit cochon. Regardez, petit cochon. Oh, qu'il est beau. Avec sa oh, il a une tétine. J'avais pas vu. Un cochon volant avec une tétine. Qui n'a jamais rêvé d'avoir un cochon volant avec une tétine? Bon, toi, t'as trop bouffé. Oh, un cochon volant princesse avec une tétine et une robe. Incroyable. Okay. Est-ce qu'on va retrouver un super méga cochon? Oh, waouh. Avec lui. Ok. Alors, les talents. Clique the talent icon to activate. Ok. Ensuite. D'accord. Donc ça c'est. Ok, il y a plusieurs builds différents. J'ai aucune idée de ce que je veux prendre. Donc pour l'instant, je vais prendre le premier. Voilà. Pas très grave de toute façon. Je voulais vous montrer aussi. Il y a des skins. Bon, ça c'est mon apparence actuelle. Vous avez cette armure là que je trouve plutôt classe. Celle-ci, elle me plaît bien. Bon, là il y a un haut. Là, la chemise, elle, je trouve qu'elle est chouette. La chemise type un peu Zara, là elle est chouette. Un petit sweatshirt. La veste, j'adore. Ok, et sinon. Un petit jeans, pourquoi pas. Un casual bottom. Mon cul de casu. Il y a des gants. On peut teindre. Et il y a quelques paires de chaussures. Oh, j'aime bien ces chaussures. J'aime bien les skins du jeu. Ok, bon. Quand tu me donnes mon cadeau là, on va aller jusqu'où comme ça? Ah ok, c'est bon. Oh, il est tout mignon. Fast Travel Unlock. Ça a l'air sympa le petit village ici. Honnêtement, le petit coin là, il est sympa. Ça, c'est joli. C'est pas exceptionnel, mais ça reste sympa ici. Oh oui, c'est joli ça comme bâtiment. Les bâtiments, l'architecture est chouette. 100 mètres. Attendez, on va prendre des photos là, c'est obligé. Moi, je vais faire un cut dans la vidéo parce que je veux pas vous montrer quand je prends à chaque fois des photos. Non, là, j'aime beaucoup ici, hein, avec le petit moulin et tout, c'est chouette. La zone est chouette ici. C'est très inégal en fait dans le jeu. 80 mètres. Attendez, moi, je veux passer là au milieu. Elle est jolie cette porte. Il y a un coffre rouge, ça je le prends. Hop, foutez-moi la paix, je prends mon coffre. Allez, ramasse Corgi, fais-toi plaisir. Bonjour. Très jolie petite queue de cheval, monsieur. Non, j'ai pas vu ton master.
Ah, les yeux inexpressifs, ça fait peur. J'ai l'impression qu'ils vont convulser à tout moment. Ah, new feature available. Qu'est-ce qu'on a comme new feature? Life skill. Yeah. Du coup, le life skill, c'est là. Alors, on peut activer le gathering, le mining, le fishing et le crafting. Ok, basic herbology, cooking, rune, alchimie. Ok, bon bah déjà on sait qu'il y a du craft. Et du coup, on va me récompenser parce que je suis trop fort. Alors, cette fois-ci nous arrivons, donc là je suis dans une nouvelle zone, hein. Je voulais pas montrer en vidéo quand j'y suis arrivé, c'est une espèce de canyon. Mais je pense que je vais pas tarder d'arrêter là pour cette deuxième vidéo et je pense pas que j'en ferai une troisième. Pour moi, le jeu manque trop de polish en fait pour le moment. J'aimais beaucoup le combat dans la première vidéo, maintenant je commence à trouver le combat moins fun, moins sympa, je le trouve brouillon, avec des compétences qui s'enchaînent pas forcément toutes super bien. Les graphismes c'est très inégal, il y a des zones pas très jolies, où les environnements ça rend pas très bien, ça fait très cheap, et il y a des zones qui sont super jolies, enfin c'est très inégal, les effets sonores, les bruitages, tout ça, ça fait partie du manque de polish. Je vais quand même aller voir parce que je suis curieux de voir c'est quoi la zone, le training ground, ça m'intéresse, donc on va aller voir ça. Je vais passer ça. Go to any, ok, on va voir ça. Mais je vais arrêter là je pense. Après il y a Tarisland aussi dont j'ai accès, donc je pense que ce sera Tarisland. On prendra la suite des vidéos découvertes cette semaine, même si j'ai déjà fait du Tarisland. Il faut faire start tutoriel. Encore un tuto? Non mais c'est bon, moi j'abandonne. Ok, moi j'arrête là. Je me suis déjà tapé une heure de tuto au début du jeu. C'est bon, au secours. J'arrête ici. Du coup, pour vous dire que si le jeu sort en l'état actuel, four total, j'irai pas dessus. Maintenant, c'est pas parce que là, il y a des points que je n'apprécie pas sur le jeu. C'est pas parce que là, pour l'instant, je lui trouve des défauts. Que lors de sa sortie, ce sera pareil. C'est le jeu est toujours en développement, donc on peut toujours laisser le bénéfice du doute. C'est voilà l'amélioration des graphismes, une grosse amélioration de l'optimisation du jeu, ça c'est nécessaire. Les effets sonores, faut revoir le truc. Y a plein de petites choses comme ça à voir. S'il prévoit de sortir le jeu dans 6 mois, bon bah pour moi c'est niette. Hein. Mais à voir par la suite, hein, qui vivra verra. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, hein. Quelque chose de mauvais peut se transformer en quelque chose de bien. Tout comme quelque chose de bien en une alpha peut se transformer en quelque chose de finalement mauvais à la sortie avec plein de changements qui ont lieu entre temps. Par exemple, il y en a qui ont kiffé New World durant les alphas et lors de la sortie du jeu, bah, les changements qu'il y a eu, ils ne les ont pas appréciés du tout. Mais le contraire est possible aussi. Donc moi je vous laisse ici, n'hésitez pas à me dire ceux qu'on poussait plus loin pour le jeu, ce que vous en avez pensé. Moi pour l'instant, bah, c'est bof. Bof sur 20. Voilà, alors bof B-O-F, hein, pas B-E-A-U-F, je précise. Sur ce, bah, je vous invite quand même à laisser un petit pouce positif, hein, si tu as quand même apprécié cette petite découverte en ma compagnie. Moi, je vous retrouve très bientôt avec du Tarisland. J'ai aussi du Cellblazers à vous montrer. Et puis, j'ai aussi l'Hebdo MMO et Jumulti qui arrivera normalement samedi matin. À voir s'il n'y a pas trop de grosses annonces durant la G-Star qui retarderaient mon Hebdo MMO. Mais sinon, c'est samedi matin, 9h45, comme prévu pour nos actus MMORPG et jeux multi. Je vous laisse ici, je vous souhaite à tous d'excellentes sessions de gaming, et ce, peu importe à quel jeu vous allez jouer, parce que le principal, mes petits potes, bah, c'est de s'amuser. Eh ouais, ciao, bye bye.